c'était le port du Ghana, à Accra, où les pêcheurs avaient ces barques et devaient franchir une espèce de barre dans la mer, très sportive, il y avait une espèce de vague et il fallait aller au-delà. Marc est peu allé en Afrique, mais il y est quand même beaucoup allé au moment des indépendances, c'est-à-dire dans les années 60-62. Lui et ses amis de Magnum de l'époque, ils étaient vraiment passionnés par le monde, la politique, passionnés par ce qui se passait en Afrique, cette accession à la dépendance des peuples africains. Je veux dire, bien sûr, il a toujours eu un grand souci de la forme et de la composition, puisque c'était Cartier-Bresson qu'il avait formé. Mais il avait aussi le bonheur de la découverte humaine et visuelle. Alors là, donc, c'est un autre port, c'est un an avant le Ghana, c'est Saint-Nazaire. C'est vraiment, ça exprime le goût de Marc pour la géométrie. Il était premier au lycée en géométrie dans l'espace, qui a fait croire à ses professeurs qu'il serait fait pour une école d'ingénieurs. Alors, et en fait, le calcul l'ennuyait énormément, mais il adorait la géométrie. Il avait, Henri Cartier-Bresson me dit, tu es né géomètre, quelle chance tu as. Et évidemment, pour la composition des images, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé et dont il s'est servi. Ce type qui a cette espèce de caisse pour protéger son visage qui a l'air complètement surréaliste. On se demande d'où il sort. Et c'est une forme étrange, comme ça, c'est presque poétique. En fait, c'est une femme. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était un ouvrier, mais c'est une femme ouvrière. Cette cantine, c'est une cantine d'Assyrie en Chine. Marc, qui était donc pour son premier voyage en Chine en 1957, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y avait pratiquement pas de photographe occidental depuis le voyage que Cartier-Bresson avait fait au moment de la chute de l'Ancien Régime. Il a mis assez longtemps à obtenir son visa et en 1957, il a réussi à y rentrer et à y rester pendant 3 mois, très seul. Il est arrivé quand même à voir cette Chine qui était très fermée et que donc l'Occident ignorait. Et on savait qu'il s'y passait des choses très très importantes. Il était très concerné par la guerre du Vietnam et il entend parler de cette manifestation à Washington en 67 contre la guerre du Vietnam. C'était la fin, les journalistes partaient, etc. Puis Marc, il prend toujours son temps, il traîne encore. Il voit cette jeune fille s'approcher avec une fleur à la main et je crois qu'elle a 16 ans ou 17 ans. Et elle fait face à des jeunes soldats qui ont son âge, vous voyez. Marc avait certainement une grande horreur de la violence et cette image, je pense que ça exprime une époque, mais ça exprime aussi profondément une conviction de Marc. Smoking caterpillar.